Bonjour à tous, c'est Nasband qui vous parle pour une suite d'un jeu auquel je suis sûr que vous ne vous y attendiez absolument pas. Il s'agit de Fear, premier du nom. Ça fait, oulala, depuis juillet 2011 que j'ai pas rejoué à ce jeu. Alors oui, j'ai atteint mon autre point de sauvegarde, cette fois à la main, vu qu'il n'y avait pas de sauvegarde disponible sur le net. Bon, je dois avouer que j'ai un peu cheaté, hein. Je me suis mis des munitions, j'ai joué en mode god, c'est-à-dire sans pouvoir prendre de dégâts. Mais là, normalement, j'ai plus de cheat, je vais rejouer à la régulière. Et j'étais à ce passage-là où je savais pas trop ce que je vais faire. Wow. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mais, je suis en train de prendre des dégâts, là. Ah bah, le mode God était toujours activé, on va le désactiver et continuer à jouer. Ok, bon, ça va. C'était pas trop terrible. C'est bizarre, j'ai du lag. Un lag très étrange d'ailleurs. Bon, bah comme j'avais déjà dit, là c'est la partie où je ne sais absolument plus. Alors je vais réadapter le même style que pour Fear 2, hein, c'est-à-dire que je vais m'arrêter à chaque fois que j'ai un écran de chargement. Donc je sais pas du tout où j'en suis de la mission, là vu que j'avais arrêté un peu en plein milieu, merci Montel de me couper, que j'avais arrêté un peu en plein milieu. Donc cette partie peut durer 5 minutes comme 40, hein, j'en sais strictement rien du tout. Ah mais attends. En fait, fallait que je prenne l'ascenseur. Je me suis complètement gouré. Fallait passer l'hallucination et ensuite prendre l'ascenseur. C'était ça qu'il fallait faire. J'ai une sorte de lag très très étrange là. Faut que je remonte donc. Oui, il faut que je prenne l'ascenseur cette fois. Bon. Ouais. Je passe pas à travers l'ascenseur ce coup-là? Non. Ouais, j'ai une espèce de lag très très bizarre. C'est bizarre parce que quand j'ai pas frappe ce qui tourne, c'est tout à fait fluide. Oh tiens. Dégagez de là dès que vous aurez Wade et la fille. Ramenez-les à la base pour que je les interroge en personne. Ok. Bonne bon, c'est cool parce que j'ai des munitions pour tout du coup avec ce cheat. Ouais, non, d'accord, d'accord. On va pas s'arrêter là quand même, là ça fait 2 minutes que je joue, hein. Donc on va quand même aller jusqu'au prochain point de sauvegarde. Alors oui, vous l'aurez remarqué, le jeu est en anglais. C'est parce que cette fois, je joue sur Steam. Hein. J'ai déjà dû mettre un patch en français. Hein, amateur. Pour avoir les voix en français. Parce que le jeu n'est que en anglais sur Steam. Je trouve que c'est un peu l'arnaque. Mais bon. Que voulez-vous que je vous dise, hein? C'est eux qui décident, pas moi. Wow. Oh, attends, j'ai une arme qui va bien, là, pour détruire ce genre de truc. Ouais, ça va super pour détruire ces trucs-là. Ouais, non, mais attends, j'ai un espèce de curieux lag, là, on va aller voir dans les performances. C'est un peu bizarre. Non, parce que Fear 2 tourne mieux que ça, donc... Attends. Ouais, non, ça a l'air bon. Shell casing, c'est quoi? Ok, je sais pas du tout. Mon anglais va pas si loin que ça. Alors, réflexion de display. On va mettre en médium. On va mettre en médium et en médium. Ok. Ah, oh, putain. Ça, ça me fait chier avec Fear, quoi. Bon bah tant pis, je vais jouer avec cette espèce de lag bizarre. C'est pas injouable. C'est moi ou elles sont nulles ces tourelles? Alors par contre, il y a une chose pour laquelle j'ai pas cheaté, c'est-à-dire ma vie qui est à 199 et mon ralenti. Ça, c'est légitime, c'est les trucs que j'ai trouvé en jeu. J'ai pas utilisé de cheat pour ça. Ouais, bon. Mais apparemment, il fallait que j'aille en direction de la tourelle.
Oui, j'ai décidé d'arrêter un peu Fear 2 là, puis de me concentrer un peu plus sur Fear 1, ne serait-ce que pour comprendre un peu mieux l'histoire de Fear 2 aussi, qui est assez obscure pour le moment, hein, faut le dire. Ouais, il y a des passages qui laguent beaucoup et d'autres passages. Ouais, là vous voyez, cette espèce de petit ralentissement, c'est très très désagréable. C'est pas injouable. Bon, en tout cas, on retrouve nouveau notre crawl Pepsi qui joue à Dota 2. La routine, j'ai envie de dire. Ah, il y a toujours les checkpoints, ça c'est bien. Oui, le sniper one-shot. Et ça c'est très cool. Oui, c'est un sniper, oui. Comment t'as deviné? Vous avez carrément des réactions aux armes que j'utilise maintenant? Ils ont amélioré votre IA? Eh, hey, il y a le gros là. Quelque chose pour lui. Je n'ai pas encore terminé d'effacer les disques. Il me faut plus de temps. C'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre? Ah, avec ce sniper, tout est plus simple. Hein. Ah putain, ça je déteste. L'écran qui bouge quand je me fais tirer dessus, mais ça c'est juste... Grosse saloperie qu'ils aient pu inventer. Wow. Le squelette là il a eu un coup de trip quoi. Il est parti je sais pas. Regardez-moi ça, il nous fait une danse. Oh, c'est un des plus gros bugs qu'on a pu observer dans Fear jusqu'à présent. Oula. Ça y est, il s'est calmé. Allez, hop. Grenade, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors ouais, j'ai quand même dû me refaire tous les passages ultra chiants avec les gros robots et tout le bordel. Et ça, c'était avant que j'ai eu l'idée de... Mais... Il me suit, hein ? Je suis content de prendre une vidéo, sérieusement. Ce genre de bug, ce genre de truc qu'on n'arrive jamais à prendre en vidéo. Regarde-moi ça. Ouais, c'est ça. Question un peu plus loin. Suspendu par la tête, c'est logique. Oh, il y a un ordinateur là-bas que j'avais pas vu. Je vais aller récupérer les données. Plus d'infos sur Origine. La référence qu'ils ont utilisée pour le programme était apparemment un puissant télépathe. Logique. Si vous voulez un chef télépathe, vous avez besoin d'un télépathe. Et c'était une femme. Ils disent ici qu'elle a donné naissance au prototype. Apparemment, Wade n'était pas convaincu. Caractéristiques télépathiques soit génétiques. Pensez avoir une meilleure chance si le fœtus était en gestation dans le ventre du sujet. Ils l'ont donc plongé dans le coma et l'ont fait accoucher d'un bébé génétiquement produit. Super. Ça, ils ont fait les enfoirés, quoi. Tu m'étonnes que Alma, elle pète un plomb. Ah, il était là l'autre. Ah putain, c'est... Norton, vous croyez vraiment pouvoir vous débarrasser des preuves en déchiquetant des documents et en effaçant des disques durs? Ouais. Je ne vais pas creuser sa propre tombe et c'est tant pis pour elle. Attendez, je vais quand même aller regarder les... Display... V5 off... Off... Ouais, non, bah j'ai pas la... La V5 activée. C'est peut-être parce que j'ai mon deuxième écran qui tourne, je sais pas. Vraiment très bizarre. On peut avec, hein, c'est pas injouable. J'essaierai de régler ça pour la prochaine partie. Oui, c'était dans le dos, c'était ignoble, je sais. Et putain, ils pètent un plomb les squelettes, hein, avec cela. Les soldats réplica, c'est jamais arrivé, ça. Wow! Bande d'enfoirés! Regarde-moi toute la vie qu'ils m'ont enlevé. Bon bah. Ma foi, on fait avec. Putain. Chier.
Bon, trois coups de snipe et c'est réglé, hein, cette tourelle. Quoi, tire-moi dessus, vas-y. T'oses pas? Ça, c'est fait. Ah! Ah bah nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Ah bon, pas le coup. Ça va sauter. J'en ai eu un. Ouais, allez, hop, on prend la vie directement. Ah, avec ce sniper, elles sont trop faciles à tuer, ces tourelles. Mais je peux vous dire que sans, c'est juste horrible. Est-ce que je l'ai eu avant l'autre, là? Non. Visiblement pas. Il est où, celui qui m'a tiré dessus? Ah. Il était là. Ah, cette espèce de mini ralentissement là, mais c'est horrible. Oui, j'ai le réflexe de recharger après chaque coup, c'est pas une bonne idée. Wow, tir à la tête. C'était pas mal celui-là. Par contre, les visées sans le ralenti, ça relève du domaine de l'impossible, hein. Et je suis sérieux. Ouais, bon. Allez, hop, on avance. Ouh, ça c'est cool, merci. Ouais, non, c'est pas cool, parce qu'en général, quand vous en donnez autant, c'est signe d'un gros affrontement. Mais j'ai pas envie, moi. On prend les escaliers. On verra bien ce qui se passe. Chiant ce petit ralentissement là. Oui, t'en fais pas, je suis à toi dans 2 secondes. Et tu vas venir de l'autre côté. Voilà. Ah, ce ralenti, qu'est-ce que je ferais sans dans ce jeu? Ils ont quand même poussé le truc à encourager vraiment à utiliser ralenti dans Fear 1. Dans Fear 2, vous pouvez vraiment jouer sans. Le ralenti, c'est vraiment... Waouh. Ça va, monsieur? Putain, mais c'est fumé, là. J'en faisais l'éloge, mais là, je vois rien avec ça. Fallait pas courir contre moi. C'était très idiot. Verrouillez cette sortie. Ouais bon, les saving checkpoints là. Ah putain. C'est franchement lourd. T'as posé des mines, c'était hyper visible, bravo. Alors je tenterai de résoudre les ralentissements pour la prochaine fois. Hein.
ça y est, son squelette s'est de nouveau envolé je sais pas où. Ça me fait vraiment triper ces bugs moi. Oh. Wow, du calme là, Non, mais sérieux, je joue à Fear 1. Je suis à 5 FPS, c'est quoi ce bordel? Oula. Sauvegarde, il faut vraiment que j'aille regarder ce qui fait ça. Allez. Bah voilà. Il suffisait de redémarrer Frappe pour je ne sais quelle raison obscure. Sérieux, je sais pas, peut-être que ce jeu aime pas Fraps. J'en sais rien. J'aurais peut-être changé d'arme, hein, franchement, pour utiliser ces... Ah, laisse-moi deviner, je vais devoir couper ça. De toute façon, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. D'autres amateurs. Il est là. Oui, il y en avait un. J'ai l'impression de tourner en rond là quand même. Hein. Ah non. Il y a un canard. Je peux remonter ici, mais il y a des escaliers avant. J'aurais bien envie d'aller voir ce qu'il y a en haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ouais. Exactement la même chose. Je suis remonté pour rien. On va passer par l'endroit où il y avait le feu, parce que je suppose que tourner la valve a fait s'arrêter le feu. Et là, ça permet de faire un raccourci. Oui, exactement. Je suis trop fort! J'ai deviné ça tout seul, comme un grand. Ouais. Là, je regarde là, pas de problème, pas de lag. Je regarde là, lag. Enfin, mini ralentissement pourri. Expliquez-moi. Comment c'est possible? Pourquoi? Attends voir. Un problème là. J'ai dû louper quelque chose. Non, c'est un mur ici. Bah, j'ai qu'à avancer, hein, je peux plus faire que ça. Bon, bah, regardons le plafond, hein. Ça me fout 60 FPS. Je sais pas. C'était ici? Oui, c'était ici. Mais la porte a un bug de texture ou quoi? Ah non. Bon bah je suppose que je dois prendre l'échelle vu que c'est le seul chemin. Oh. Ah bah je suis déjà au max. Ça sert pas grand chose. Que dire? Mon Dieu. Mais sérieux, arrête de bugger comme ça, quoi. Bon, super, j'ai fait ça. Et maintenant, je peux aller nulle part. Pourquoi ça passe de la musique japonaise?
C'est pas censé se dérouler en Amérique, enfin bref. Si je commence à essayer de comprendre les incohérences du jeu... Ah non, mais là je suis paumé. Normalement, Fear, c'est un seul chemin et... Ah non, attends. Je crois que j'ai pigé. Faut me dire que j'ai fait tout ça pour un bonus, quoi. Ah non, non, j'ai pas pigé. Ta gueule. Je suis pas ici pour écouter de la musique japonaise. Quand bien même j'aime ça. Please no art. Bon, attendez. Là, il faut vraiment que j'aille résoudre mon problème avec Fraps parce que ça me saoule. Donc, j'ai débranché le deuxième écran. Ça ne change strictement rien. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose dans les putains d'options graphiques qui fait ça. Et je ne sais pas quoi. Bon, on va essayer de redémarrer le jeu, hein, comme il demandait. Donc, on fait une sauvegarde. Putain, ça fait chier, quoi. Fear 2 tourne mieux que Fear 1. Logique. Logique, logique. Bon, allez, à tout de suite, les gens. Bon. Je n'arrive pas à résoudre ce problème. Là, je vois pas. Ah si, j'ai bien une dernière solution, on va voir. Voilà, j'ai mis la résolution d'origine du jeu, à savoir 800x600. Ah bah oui, c'était ça. Ah, apparemment, le jeu supporte pas la résolution 1280x720 pixels. Ah putain, qu'est-ce que c'est jouable, qu'est-ce que c'est fluide, du 60 fps constant. Ah, c'est beau, ça fait plaisir. Du coup, je sais toujours pour jouer, allez. Je sais pas du tout. Là, je dois avouer que c'est le mystère absolu. Peut-être que je prenne cette échelle. Je sais pas, je vais remonter puis je vais voir. Peut-être oublier quelque chose en haut. Ah bah non, on se retape les 4 FPS sans raison. Putain, ça me saoule. Mais vous avez pas guidé à quel point, quoi. Putain, pourquoi j'ai repris ce jeu, moi. Voilà, il faut que je coupe totalement Fraps. Que je le remette. Je comprends pas. Moi, c'est un mystère, là. Mais là, je suis Keblo, je suis bloqué. Pourquoi? Putain, mais Fear, habituellement, c'est un seul chemin et va te faire foutre, quoi. Pourquoi, là, tout d'un coup, ça change? Et puis, en plus, les décors se ressemblent tellement que je sais même plus si je suis déjà passé par là ou pas. Oui, je suis déjà passé par là, il y a des armes. Donc j'étais bien sur le bon chemin. Donc maintenant on va reprendre depuis là. Ça doit pas être si difficile que ça à se rendre compte d'où il faut aller, bordel. Bon, ici, y a-t-il quelque chose? Rien du tout. Bon, j'ai encore de temps en temps les tout petits ralentissements là. En fait j'ai compris, dès que le jeu est en dessous de 60 fps, ça lag. Alors c'est le seul jeu à faire ça quoi. Oui, je sais, c'est pas du lag, c'est des freezes parce que je suis pas en ligne, mais rien à foutre. Quoi, encore ? J'ai compris ce qu'est un synchronisme. Au cours d'un incident, ils ont perdu le contrôle de Fessel. Il a soudain paniqué. Il n'avait que 10 ans à l'époque, mais je crois qu'il a tué quelques personnes. Au cours de l'enquête, ils ont découvert qu'il y avait eu un lien télépathique entre Fessel et Alma, en dépit de son coma. Ils ont donc conclu qu'elle l'influençait. Ça doit être pour ça qu'ils ont mis fin au projet Origine. Ok. Commence à mieux comprendre l'histoire. Hein. On va suivre le chemin. Il y a peut-être un embranchement que j'ai loupé ou je sais pas. Juste suivre le putain de chemin. Vérifier tous les embranchements. Ici, je peux pas passer. C'est quasiment sûr. Peut-être un truc tout con. Une sortie que j'ai loupée. Je sais pas. Hein. On va retourner là-bas, même pour voir, tiens. Bon, la radio continue à fermer sa gueule. Ça, c'est bien. Bon, c'est pas ici. C'est tellement sûr que c'est pas ici. Bon, on continue, on va voir. Hein.
je me rappelle. Il reste une grenade que je peux pas prendre par chou max. Alors je peux soit aller tout droit, soit prendre les escaliers qui sont pas là d'où je viens. Donc on va prendre depuis les escaliers. Ah non mais ça fait chier là. Franchement, je me décide enfin à faire la suite de Fear et je suis bloqué. Ah non, je suis pas bloqué. Là, je suis pas encore passé. Ouais. Je suis sur le bon chemin. C'est bon à savoir. Et j'aime pas les conduits d'aération parce qu'il peut y avoir Alma dedans. Ça fait chier. Lève-toi. Eh ben voilà. C'est donc la fin de cette partie, je sais pas combien de fire, on se retrouve pour la prochaine. Allez, à plus les gens, à une prochaine, ciao!